Salut à tous et à tous, c'est John. Alors aujourd'hui, on va se retrouver en fait pour une bombe nucléaire, sur la map Wasteland, comme vous pouvez le voir, en match à mort par équipe. Et donc, je vais jouer avec la classe, enfin, du moins avec l'arme, très controversée de ce jeu. Enfin, très controversée, ça dépend, c'est plus pour me donner un air scientifique que je dis ça. je vais jouer au WA 2000. Le WA 2000 n'est pas forcément le sniper le plus puissant, d'ailleurs, c'est même pas. C'est même sûr. Je dis ça, mais c'est même sûr que c'est pas le plus puissant. Mais vous allez voir quand même durant cette vidéo qui va être pas mauvais du tout. Hein, et vous allez voir, je vais quand même réussir des fois à mettre, enfin à faire une balle, une mort. C'est pas mal comme là, vous voyez, je réussis. Hop, là pareil. Enfin, je crois. Attendez, ah non non, là j'ai mis 2 balles, donc voilà. Désolé, en fait j'ai un petit décalage avec Sony Vegas qui bug un petit peu. C'est pour ça que je vois pas vraiment ce qui se passe, mais bon, voilà. Alors, j'espère que cette bombe nucléaire, en fait, sera uploadée sur Code QG. Donc, si elle est uploadée, ça sera ma deuxième parution. Donc, ma première étant la nuque au modèle Akimbo. Honnêtement, j'appréhendais un petit peu le fait de passer sur Code QG. Parce que je me disais... Enfin, j'avais peur qu'il y ait des critiques qui sont un peu trop... Pas trop méchantes, mais enfin... C'est pas vraiment que j'appréhendais... Enfin, si, un petit peu appréhendais, voir savoir la vie des gens, mais voilà, quoi. Et finalement, bah, j'étais très surpris parce que tout le monde a été vraiment très sympa. Bon, il y a eu quelques critiques sur ma façon de particulier sur la qualité. Donc la qualité, en fait, je vous explique tout bêtement, pour ceux qui se rappellent de la nuque, c'est tout simplement parce que j'avais des mauvais réglages d'AGPVR. Mais grâce à Code QG, j'ai réussi à mieux le régler. Et donc là, la qualité, logiquement, devrait être bien meilleure. Et donc, pour ma voix, bah, j'essaye au maximum d'articuler et que le commentary vous soit plaisant. Donc voilà. si c'est pour finir, enfin, pour en finir avec cette bombe nucléaire, je tiens à dire qu'en fait, j'utilisais le WA 2000, mais bon, durant la partie, vous allez voir que je vais pas utiliser que ça. Parce qu'en fait, aussi, une autre chose critique, c'est qu'on a, enfin, les personnes qui commentent ont souvent tendance à dire que les bombes nucléaires, mettons une personne dit qu'il fait une bombe nucléaire au barrette, et qui joue un petit, et qui joue au barrette, qui fait mettons 3 kills, et qui après fait le reste au space 12, c'est tendance à critiquer. Donc là, je vais dire que je fais une bombe nucléaire avec le WA 2000 et avec le space 12. Donc comme ça c'est clair. Et aussi grâce à mes kill strike et les kill strike d'ailleurs, je vais vous en parler. C'est en fait, je jouais donc avec le bombardier furtif comme vous voyez, donc qui se débloque à 9 éliminations. Et la 630, donc la 630 qui se débloque à 11, mais bon, ça vous êtes pas bête, vous le savez. Comme moi d'ailleurs. Trop fort, j'ai canne. Et donc voilà, là je débloque donc mon bombardier furtif. Et vous allez voir en fait qu'il va faire que 2 kills. Donc c'est pas forcément ce qu'on s'attend sur un bombardier furtif. Vu que des fois sur des vidéos, mettons qu'il paraît sur Code QG ou autre, vous voyez des mecs qui font des spawn kills, qui font 15 kills et tout, mais bon, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Donc voilà. Petite précision, en fait, c'était un défi, donc le défi de faire la bombe nucléaire avec le WA 2000. Et je tiens à préciser aussi que j'étais en sensibilité 1. Donc sensibilité 1, c'est pas ma sensibilité d'habitude. D'habitude, je joue plutôt en 4. Donc dites-vous bien quand même que 4, c'est pas 10. Mais avec une sensibilité 1, c'est vraiment chiant quand même à jouer. Parce qu'en fait, t'as même pas l'impression de tourner, t'as l'impression que tu fais du statique, quoi. C'est comme si t'avais un torticolis, enfin, c'est horrible. Mais bon, ça va. Alors là, nous sommes dans la 130, ça vous le voyez. Vous êtes pas bête. Et là, vous allez voir en fait que la vidéo, enfin, pas que la vidéo, je suis bête moi. Que la 130 va se bloquer. Et je vais pas réussir à choper les ennemis qui étaient de l'autre côté. Et donc, c'était un peu dommage parce qu'en fait, ça m'arrête à 22-0. Alors que franchement, j'aurais largement pu débloquer ma nuque dedans, vu qu'ils étaient tous les 4 alignés. Mais bon, ils ont joué tactique et ils ont vu que j'étais bloqué à un endroit. Enfin, j'avais un point mort que j'arrivais pas à atteindre. Et donc, ils ont bien réussi à le contrecarrer. Donc là, la vidéo, ça fait à peu près 4 minutes qu'elle a commencé. Et vous avez vu déjà quand même que je suis à 22-0. Mais je dois vous dire tout de suite, la cadence s'est vite ralentie. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais quasiment plus de balles dans mon WA 2000. Et je me sentais pas vraiment de rusher quand même malade autour de la map avec mon space 12. Étant donné que j'avais vu que c'était que des snipers en face quasiment. Et qu'il y avait aussi quelques lance-patates et un fou avec son lance-roquette, là, je sais pas trop ce qu'il faisait. Mais bon. Donc là, je me retrouve à 23-0 et plus de balles. Donc là, j'étais vraiment embêté. Honnêtement, on va pas dire que je campe, parce qu'en fait, c'est pas que je campe, c'est seulement que je cherche une arme, en fait. Je cherchais une arme pour pouvoir tirer, et je vais tomber sur une intervention qui va m'aider à faire mon kill, puis le reste, vous le verrez. Hein. Je vais pas tout révéler d'un coup. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va être uploadée sur Code QG.
Bah, on verra bien, hein. Si c'est le cas, je vous invite à aller sur ma chaîne. Enfin, si ça vous, si l'envie vous en donne, hein. Je vais pas vous forcer d'ailleurs. On peut pas forcer quelqu'un à aller voir sa chaîne. Mais si ça vous tente, juste dire que en principal, vous avez trouvé des bombes nucléaires. Et en fait, j'ai aussi, je vais aussi essayer de lancer un concept pour le temps qui reste de Modern Warfare 2. Donc là, voilà, c'est à ce moment-là que je trouve l'intervention. Donc faire des face commentary live bombes nucléaires. Donc en fait, en gros, je fais des bombes nucléaires en live avec où on voit ma face. Et donc voilà. Pour ceux qui sont de ma chaîne, j'avais fait un sondage pour savoir qu'est-ce que vous préférez voir et vous m'avez dit la présentation. Donc vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, je vais la faire. C'est simplement que j'avais parlé à Hypno de cette vidéo et il m'a dit ouais si tu campes pas trop, si tu fais enfin si ta bombe nucléaire est sympa, bah je pense qu'elle sera uploadée. Donc je vais préférer la mettre avant. Et mais vous inquiétez pas, je vais la faire, moi je vais faire ma présentation, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors là je me retrouve à 24-0 il me semble, hein, je crois. Ou alors je suis encore à 23-0. Je sais pas, j'ai ce petit problème de qualité, enfin pas de qualité mais de rendu d'image, donc c'est un peu difficile de voir. Mais bon. Alors là, je fais un geste héroïque, je vais dans la caverne au lance-boule, comme je dis moi, parce qu'en fait cette caverne c'est toujours le truc. Enfin caverne, ouais. Je sais même pas comment ça s'appelle, hein. Un bunker plutôt. Il y a toujours énormément de monde et toujours énormément de lance-patates. Donc là, j'avais un espoir que mon allié me laisse un kill. Malheureusement, il a fait deux kills. Et là, je tombe sur le dernier et je réussis ma bombe nucléaire. Donc j'étais ravi, franchement, de la faire parce que même si je me suis bien aidé des killstreaks, même si j'ai utilisé le space 12, je trouve que cette nuque est vraiment pas trop mal. Bon, certes, j'ai un peu galéré à trouver une arme, mais je la trouve quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si la vidéo est vous restez sur Code QG, je vous invite à aller voir ma chaîne si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, aucun souci. Vous en voudrez pas. Et voilà, bah, salut à tous et passez une bonne journée vu comme il fait beau. Allez, salut tout le monde!